Et voilà la spécialité du chef. Parfait, ça a l'air super bon. Vous savez ce que vous mangez là? C'est du steak avec des boulettes entre les doigts de pied. C'est un bon goût. C'est très agréable, monsieur, je vous remercie. Et la sauce est de la morve séchée. Et toi, tu fais chier. Tu vas finir par les dégoûter. Mêle-toi de tes affaires, toi. Tu sais bien que Madame Philippe, la patronne, se coupe des morceaux de nichon pour en faire des ravioles. Oh, c'est dégueulasse, merde. Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Tu sais, tes excuses, tu peux te les coller au cul, tout comme ton beefsteak. Sauf que le beefsteak, ça sert à rien, le patron l'a déjà fait, il a craché dessus. Oh, je vous laisse manger, bon appétit. Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de classe. Ah, encore une chose. Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron. Ça va plus du tout. J'ai plus envie de boire ni de manger. J'aimerais bien que tu restes. On va manger tes chips. T'entends? Tes chips! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici. Et moi, pour les gonzesses, je suis super d'accord avec toi. Mais pour la bouffe, je vois pas ce que tu veux dire. T'aurais envie de manger quoi, exactement? Bah, je sais pas. Par exemple, une quiche Lorraine. Une wish. Une quoi? On dit une wish Lorraine. T'es sûr? J'ai assez mal de bide, moi. Ça, c'est le hamburger, ça. J'arrive pas à le digérer. T'avais raison, on aurait dû prendre une wish Lorraine. Moi, je suis sûr qu'on dit quiche, enfin... Bon, hein. M'emmerde pas avec tes histoires, je te dis que j'ai mal au bide. J'ai la méga chiasse, putain, la méga chiasse. Bah, excuse-moi. Mais excuse-moi, mal au bide, tu sais ce que c'est? Faut que j'aille chier, bordel. Il faut que j'aille chier, rapidos. Excusez-moi, messieurs, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Waouh! Steven! Tu vas pas me croire. J'ai plus mal au bide, je suis guéri. Par contre, on ne peut plus rentrer dans les chiottes, il y en a partout. Merde! Allez! Patron! Patron! On a un problème, il faut qu'on vous parle. Du dossier Georges Abitbol? Non, les chiottes, Peter les a bouchées. Ce n'est pas de ma faute, patron. J'étais malade. Ça doit être les burgers. Un restaurant mexicain food. Zeb, c'est pas vrai. Est-ce que tu aimerais te baffrer un chili con carne? Non, merci. Je suis un peu ballonné, là. Je ne suis pas trop bien. Mais là, je fais un régime. À base de wish, la reine. Excuse-moi, à base? À base de wish, Lorraine. C'est des petites tartes. Non, mais pour qui tu me prends? Je rêve. La fromagerie en bas de chez moi, elle vendait 3 choses, du fromage, des wish Lorraine et de la bouffe chinoise. Mais alors toi, mec, avec tes régimes à la con, tu me fais bien marrer. T'as devant toi le spécialiste de la wish Lorraine. Et le spécialiste de travers de porc, c'est le poivre. À 23 ans, j'ai gagné le concours du meilleur cuisinier asiatique en leur préparant un méchoui. Un méchoui? Tu pipotes pas un peu, toi? Jamais je pipote. Hé, hey, la choucroute, si tu veux une saucisse. Regarde, c'est lui, il est là. Qui, le jus de tomate? C'est pas que vous êtes pas désirable. Mais avec les femmes, vous manquez de tact, en gros. Dites dans vos verres, ils sont crado. Ah. Et alors, je suis pas votre bonne? Ben, n'empêche qu'une fois que j'oserai... Georges! Je vous ai déjà dit de ne pas parler en buvant. C'est mauvais pour l'estomac. Excusez-moi, madame.